va Milo? Qu'est-ce que t'as cueilli Milo? Des tomates. Et puis? Des tomates rouges et aussi des tomates cerises et aussi des salades. On a pris de la salade, ouais. Aussi là, les sortes de carottes qui reviennent. Des oignons. Des oignons. Et là, toi, tu voudrais quoi? Pommes. Des pommes. Et aussi carottes. Et des carottes, on va aller voir ça après. Et des prunes là, maman? Ouais. Prunes. Coucou Derek. Maman, je vais déprunier des raisins. Viens ici Liam. Maman, je vais déprunier des raisins. On a Liam qui court après les papillons. Maman. Maman. Coucou Liam. Maman, je fais coucou. Maman, je veux ça, des trucs. Maman, je veux ça moi. Des prunes. Alors ici, on a les tomates. Là, on est dans les prunes. Et tout là-bas, on va aller vers les pommiers. Ah, eh ben dis donc bébé. Alors Derek il râle. Tout simplement parce qu'ici, ben, on sent la chaleur de la serre. Et qu'il a très chaud. Donc là, c'est encore les prunes. Hein. On est dans les prunes. À mon cœur. Et là, on va arriver sur les pommiers. On vient en moyenne une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Ça dépend si j'ai écoulé mon stock. Après, on achète aussi un peu en magasin quand il nous manque un petit peu, mais... On essaye de venir au plus à la cueillette avec les enfants. On fait un roulement. Comme ça, on a le temps de s'occuper de chacun. Et puis, voilà quoi. Donc là, on a les pommiers. Il y a énormément de pommes à terre. Bon, ça, après, je pense que c'est récupéré pour faire tout ce qui est extracteur de jus. Parce qu'ils vendent des jus aussi qui ne sont pas faits sur place. Donc, je pense que... ça sert à cela. Donc là, on a la gala. C'est écrit dessus, hein. Donc, mon fils veut quelques pommes. Donc, on va cueillir quelques pommes. Allez, viens. On va cueillir des pommes. Qu'est-ce que tu nous as pris? Montre-moi. Maman. Tu manges une prune. Elle est bonne? Elle est bonne, ta prune? C'est bon? Bon, bah apparemment ça doit être bon. Ah bah oui, il y a un noyau. À la cueillette des pommes. Et Liam qui n'est jamais loin. Liam, qu'est-ce que tu manges? Fais voir à maman. Prends-en une petite dizaine. Liam. Ouh! Badaboum! Liam. Liam. Et mon fils qui ramasse les pommes. Ça y est? Oui. On y va? Allez, vas-y. Liam. Là, on va aux haricots verts. Haricots verts et haricots au beurre. Alors, Milo qui cueille des mûres. C'est bon. C'est bon. Pour on en fera de la confiture. Et Liam, qu'est-ce que tu nous as cueilli? Des cailloux de terre. Liam, on va les manger? Oui, c'est bon? Oui, t'es sûr? Oui? Ah bah dis donc. Ouais, on va manger ça? Ah, tu veux un plastique? D'accord. Va chercher une autre barquette. Là. Liam, là, une barquette. Là. Laisse le plastique. Maman, ici, franchement, des belles. Ah ouais, il y en a des belles. Allez. Chef, il y en a qui sont un peu. C'est pas grave. Tu continues encore un petit peu? Je veux pas, maman.
Alors là, je continue un petit peu la récolte des mûres. On va en faire de la confiture. Ça amuse les enfants et ça leur fait plaisir d'aider à la récolte jusqu'à la fin de la mise en pot. Liam, allez debout! Fais voir à papa s'il est beau. Oh, magnifique! Alors, on prend des oignons rouges et après, on va se diriger vers les oignons blancs pour finir sur les framboises. Il y a une révolte. Moi, je te regarde. C'est déjà bien. Je peux pas porter le petit en écharpe et cueillir. C'est pas possible. Non, mais en plus... Non mais en plus ça se rebelle. C'est pas grave. Correction à la maison. Tu prends un oignon. Tu vas le donner à papa. Alors vous voyez, vous avez même des petites brouettes pour les enfants. Allez, ici on a les cornichons. Regardons. On a du cornichon de compétition. Oh, mais c'est énorme. Et là, on va aux framboises. Allez, tourne, 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 il va casser. Voilà, tu nous montres. Et voilà. Il pique. C'est quoi ça? Une cornichon. Non, c'est un corps. Nichon. Voilà, un cornichon. Ouais, mais ça pique au moins quand même. Oh, c'est pas grave. Allez, on va aller cueillir les fruits. Tu manges. C'est quoi ça? Une mûre. Voilà. Papa récolte, Liam mange. Maman, je peux goûter. Donc là, on a les framboises. On entend les abeilles butiner. Donc pareil, c'est la cueillette pour faire la confiture. Milo, regarde-moi. Qu'est-ce que t'as dans la bouche? C'est quoi ça que t'as cueilli? Des mûres et des framboises. C'est un pirate. Regardez-moi cette bouche. Ah ouais, on voit presque pas qu'il mange. Et ouais, la cueillette fait partie de la petite dégustation sur Maman. Place. Maman, c'est encore mieux, il mange. Ouais. Ouais, 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 non. Si, 5 dans ta bouche, 2 dans la barquette. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Je le mange pas. Si tu manges. Je coupe le fruit avant de le mettre dans ma barquette. Voilà, bah bien sûr. Donc voilà, un petit tour. Donc c'est très très vaste. C'est ça. Là, en route vers les choux, brocolis. Et la cueillette des fleurs aussi. Et je vous montrerai à la fin tout ce qui est les potirons, Maman, les courges. Tu as soif? On va aller acheter une bouteille de jus de pomme. Là, on est sur les potirons. Potimarron. Potimarron, potiron. Ouais. Maman, ça, c'est les potirons. Ils en ont cueilli déjà plein à l'accueil. À la caisse. Ouais. On montrera ça après. Arrête de manger. Ici, on a les brocolis. Les choux. C'est quoi? Vert. Des salades. Les choux. Ouais. Ah ouais. Choux romanesco. Choux fleurs. Je n'ai pas ça comme ça. Merci. Ah ouais, j'ai jamais fait pousser. Moi, au début, je croyais que c'était une tige comme une fleur et que ça poussait comme une fleur, tu vois, puis tu récupérais comme ça. Ouais, au milieu.
Non, sur la branche qu'on met des... D'accord, oui. Pas à la base, en fait. Pas comme ça. Ah, que là, c'est à la base. Non, c'est pas mal. Enfin, il y en a énormément, quoi. On peut même voir notre voiture là-bas. Tout ça en chou. On peut voir notre voiture. Ah, ici, on a les différentes courges. Les pâtissons. Les potirons. Les potimarrons. Et les colocates. Alors ça, c'est trop mignon pour faire une petite déco. Ça, chérie, viens. On va prendre une betternette. Alors ici, on a les jus de pommes. Non, c'est là-bas les jus de pommes. Oui, c'est toujours à base de pommes. Pomme cassis, pomme poire. J'ai tout pris un de chaque. Pomme framboise. Et pomme pomme. Ouais. Sinon, elle se fendit. Ça marche. Voilà, c'est fini. Voici de retour de la cueillette. Donc voici un petit peu une vue d'ensemble de tout ce qu'on a récolté. Donc on en a eu pour un total de 75,74 €. Je vais détailler le tout. Donc ici on a la butternut qui fait, je sais pas, elle l'a pesée la dame, alors elle faisait plus de 2 kg. C'est à la pièce, donc elle fait 3,70 €. Ici nous avons les carottes. On en a 1,495 kg pour 1,79 €. Alors, ici, on arrive au jus. Alors, on a un jus de pomme et un jus de pomme framboise. On avait aussi un jus de pomme poire, mais on l'a bu dans la voiture. Donc, le jus de pomme est à 2,80 € et le jus de pomme poire est à 3,30 €. Après, ici, nous avons de la rhubarbe. Alors pour 345 grammes, on en a pour 76 centimes. Les échalotes, alors les échalotes qui se trouvent ici. Alors les échalotes, on en a pour 1,330 kg pour 5 €. Les cornichons, les deux énormes cornichons qui font 950 grammes pour 2,61 €. Ici nous avons haricots verts et haricots au beurre, donc au prix de 3,29 € pour 940 grammes. Après nous avons les oignons rouges. Les oignons rouges, on est à 1,325 kg pour 3,05 €. Puis nous avons ici les framboises. Alors les framboises, on en a 1,215 kg pour 7,90 €. Les mûres, 760 grammes pour 3,42 €. Ici, nous avons un gros lot de oignons jaunes à 5,70 € pour 4,750 kg. Les salades. Donc l'offre du week-end, c'était de acheter une offerte. Donc on en a pour 1,60 € les trois salades. Les tomates cerises, donc en premier, nous avons les rouges pour 1,560 kg à 6,55 €. Puis nous avons les jaunes à 2,55 € pour 8,01 €. Nous avons aussi également des pommes, donc des galas, pour 1,725 kg pour 2,93 €. 293 €, ça ferait un petit peu cher les pommes, hein, on les laisserait sur leur arbre. Donc nous avons aussi également des tomates rondes à 7,31 € pour 3,845 kg. Un chou vert qui est à la pièce à 1,35 €, donc il est énorme également. Ah, ce sont des très beaux choux.
Nous avons également des petits oignons blancs ici qui sont à 1,79€ pour 255 grammes et une douzaine d'œufs à 29 centimes l'œuf. Donc nous sommes à 3,48€. Donc voici un petit peu en ensemble la cueillette de cette semaine, sachant qu'on y retourne en moyenne une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, on en profite. Donc ça nous fait une sortie avec les enfants. Et voilà. Donc je vous remercie. À une prochaine vidéo. À bientôt.